Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui, on va regarder une dance practice d'un groupe dont on a déjà fait une réaction il y a un petit moment et que normalement la vidéo est déjà sortie. Et du coup, il s'agit de Luminous. Ah bah oui, en plus je vois ma propre vidéo à côté. ça fait assez bizarre de rechercher Luminous All Eyes Done et puis d'avoir ma propre vidéo dans la liste, ça fait très bizarre. Mais apparemment du coup la vidéo est sortie hier au moment où j'enregistre. Du coup on va regarder la danse practice et on en discutera juste après. Je vais juste mettre peut-être un peu plus de lumière. Ouais, peut-être un peu trop. Du coup hop, je vais lancer. Parce que sinon on va peut-être se taper une pub. Non, ça va. Merci pour toi. Trop fin. Au moins, ce qui est bien, c'est que pour les reconnaître, c'est les seuls qui n'ont pas de masque. Je la trouve un peu chelou leur salle de sport, elle fait pardon. Elle fait très très dépressive, je crois. Donc tout est gris, il n'y a pas vraiment de couleur comme chez JYP ou tout là comme ça, tout en gris et tout. Donc elle est un peu chelou leur salle de danse avec le plafond. En plus on se croirait dans un parking. Ça a l'air d'en être fini. Non, je suis désolé les filles, mais on va pas vous regarder. Du coup, pour la danse practice, je l'ai trouvé assez sympa. Honnêtement, elle est plutôt sympa, mais je l'ai pas trouvé extraordinaire ou très emballante, un peu. Enfin, je parle par exemple de Thunder Rules de Stray Kids où j'adore regarder la danse practice. Pourtant, elle est pas si incroyable que ça comparée à d'autres danses practice qui sont ultra dynamiques et tout. Celle de Thunder Rules, elle est pas
méga dynamique et tout, mais j'aime tellement surtout la partie du refrain et tout qui est incroyable. Et bah là, j'avoue que j'ai pas le même sentiment quand je regarde cette danse-là que quand je regarde Thunderous. Là, je me dis, j'ai passé un très bon moment, mais je pense pas que j'aurais envie de la revoir cette danse-là parce que bah, je la trouve pas si extraordinaire. Après, ils font quand même un super travail, hein, comme dans toutes les danses, hein, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, bah, faut quand même réussir à faire ce qu'ils font. Mais j'avoue que dans mon cas, bah, c'est pas la danse d'un groupe masculin que je préfère. Donc voilà. Du coup, on va arrêter la vidéo là. J'ai encore d'autres vidéos autour de danse practice à tourner. Il m'en reste au moins 1, 2, 3, 4, 5. 5 à peu près, parce que Choi Yena a sorti une danse practice pour deux titres différents de son album. Du coup, on regardera les deux. Et voilà, et puis on se retrouvera dans quelques mois pour le prochain comeback de Luminous. Allez, ciao les Anacalypsiens.